Et salut à tous, c'est Gats. Bienvenue dans ce petit best-of des familles. Prenez de quoi manger, une petite bière, un petit level up, un petit holly. Prenez de quoi boire et profitez de ce best-of. Allez, salut à tous. Welcome les amis et j'ai switché sur une caméra. Re-welcome les amis. Alors salut tonton et salut à tous. Hein. Et quoi qu'on pourrait, il y en a plein de gens qui me disent ou qui diraient encore à l'heure actuelle, genre la première saison elle est sortie en 2009 les gars. Et de 2009 à 2020, à 2022, il y a 13 ans. Est-ce que 13 ans après on peut encore appeler ça du spoil? Ouais. Allez, santé les gars. Santé tonton. C'est laquelle que tu bois là, j'ai même pas le temps de la voir. C'est la Castle Beer. De Cast Beer Triple. Avec Milou et les trois paysans. Ah, c'est celle-ci. Ah oui. Bière blonde forte. Référence au roman Trois hommes sur un bateau. Sans parler du chien de Jérôme K. Jérôme. Au moins d'avoir un siège qui masse, faites des dons, les filles, faites des dons. Faites des dons pour mettre un siège. Bah alors, on est dans ma voiture à moi, ma pas dans celle de l'ISDM. Hein. Un massage de deux fois. Alors, vous avez vu que ce n'est plus flou, mais les gars. Plus de décalage de son, plus de floutage des familles. Ouais, tout le monde disait, ouais, rachète-toi une caméra, cette caméra. Cet homme est flou de base. Le buprophène, non, c'est pas ça? Non, ça c'est pour la chiasse, ça. Présent, je vais montrer à l'écran les chips de sarrasin aux chèvres poivron, les gars. Tu les as trouvés? Écoute. Ah non, moi j'avais vu les chips de sarrasin, mais c'était au cep. Quoi, de l'obididou? Hein? Qui parle de, je sais pas, tu dis de l'obididou? De l'obididou. Petit bidon, patate, c'est une nouvelle expression de Jones. Hein? Expression de Jones. Alors, lève, c'est à gauche, hein. La bière lève, c'est à gauche. Ouais. Bah oui, le truc. Ah, c'est celui-là. Ouais. Tu veux du pain? Ah bah. Accept a monster. Attention, nous sommes sur les vieux systèmes d'os. Location, scrum wrap, refresh, fatality, toxic, rush, Illinois, à 6h32 du matin. System fear. Destroy all buildings to advance to the next city. Donc détruisez tous les buildings pour avancer dans la prochaine cité. Pour utiliser le Rumble Pack, insérez-le maintenant. Je l'ai pas, il n'y a pas de trou là en dessous, hein, les gars. Moi je l'ai, mais pas via l'émulation du coup. Alors je suis le rouge pour info. Voilà, il contrôle bien, c'est bon. Alors là c'est le point, et là c'est sauter. Et attends, on se frite pas ensemble, hein, on est d'accord. Ah non, ouais, on se frite pas ensemble. On doit juste tout casser, quoi. Ouais, voilà. Moi je monte sur les bâtiments manger des gens. Oh la vache. Oui, un poulet. Attends, moi je suis à caché de l'écran là, je suis à moitié dans l'écran. On voit plus parce que ça bloque le scrolling. What the fuck? Vas-y, descends, on va. Ah oui, il faut détruire tout. Ah, on peut se des pêches pour le. Ah, tu veux pas jouer à Street Fighter? Ah, regarde quand tu fais flèche du bas, il prépare son coin. Vas-y, on va avancer, on verra. Ouais. Là, tu sautes sur la maison et tu fais flèche du bas et tu massacres. Franchement, il est pas dégueulasse, Steven. Là, c'est une maison trampoline. Ah, mais ça, c'est moi qui ai installé les trampolines. En 2022, on mettait des panneaux solaires, après, on installe des trampolines. Excellent, hein. T'as l'armée qui arrive. Il doit y avoir 25 saveurs différentes de Bretz. Même plus, franchement, il y en a toujours. J'ai encore le paquet. Ah, c'est quoi, je le teste très bien aujourd'hui. Les versions truffes.
crois, elle doit être super morceau. Et j'ai une autre marque de truffes que j'avais dit, je comparerais un petit peu les deux, parce que Brett, pour en avoir testé plein pendant les lives, les gars, vous savez bien que des fois, ouais, le goût, il est là, mais c'est... Voilà, quoi. C'est au fromage, là. C'est plus comme Amber, je crois. C'est plus, ouais, c'est plus une simulation de saveur. Le truc chimique qui te fait croire à la saveur. Un arôme, voilà, c'est ça, c'est plus de l'arôme. Je dirais la reine d'Angleterre en bois. Et respect, elle est morte. C'est vrai. Aujourd'hui en plus. C'est pas du bien joué là, Twitch va nous ban maintenant. Ça tombe, j'ai annoncé, tout le monde va partir en deuil là maintenant, tout le monde va quitter les lives. Bah voilà, ma mère. Pour l'époque quand même. Mort de rire et après c'est moi le vilain. Gats, il est mort en fait. Appuie sur start pour continuer. Non. Ah voilà. Et quoi? Si, c'est bon. Ouais. C'est parce que j'ai un cage, parce que j'avais appris. Même que c'est sur 64, c'est toujours en mode des vies et des crédits. Vas-y, on peut être chacun à côté. Ah putain, gars, j'ai mangé des gens, j'ai fait la quiche. Il y a le fauteur d'Homer Simpson. Allez les gars, 13 personnes, manifestez-vous tous. À 20 personnes, j'offre un sub. Allez, à toi. Je vais prendre le côté. Ah, je suis donc revenu un humain à poil, mon vieux. Bah oui. T'es devenu un petit humain à poil. Bah je te vois plus. Bah non. Voilà, je reviens. Ah. Et pourquoi je suis déjà mort? Continue. Ah, continues. Bah ouais, continues. Restart. Oh la vache. Kankake Henvarwe, et je suis mort. C'est une réussite. Bah j'ai plus de points. No telling what effect another toxin might have. Attention, c'est le démon de minuit, mon vieux. C'est Aladdin sur son tapis volant. Ah, mais on joue, je croyais que c'était... Ah oui, on joue, mais vas-y, monte et descend, au lieu de rester en bas. Descends. Hop, on arrive à Madrid, les gars. Je vais pas tarder de toute façon. Ouais, bah ouais, Dit Game, si t'as 900 km à faire demain. Ou attention, le Dit Match, ouais, mon vieux. Carrément. Là, c'est chacun sa gueule, mon vieux. Moi, je te massacre. On est en train de se friter, là. Ouais, on doit se friter. Regarde. En mode Looney Tunes, là. Les gâchettes, ça fait quoi? Ça fait rien, les gâchettes, en fait. On joue vraiment qu'avec A, B et... Ouais. Ouais, mais ça, c'est de la triche. Il fait le coup à la Budokai 4, là. Tout le temps la même attaque. Non, il va mourir! J'ai même pas le temps de mettre une pêche. Oh, ouais. Voilà, tu fais un bonus de 100. Ah, on est à Chicago. Vas-y, faut fumer. Attends, mais laisse-moi manger la carotte. Ah, vas-y, vas-y. Wange my beans. Encore mieux, je trouve. Ouais, dans le Nord. Là au karma je le marole. Moi j'étais chez Gats au matin, le chicoré, mon vieux, le maroile dans le chicoré m'a forcé à le faire. Ouais. Et la bière à partir de 8h du matin. Vas-y viens, broy, vas-y broy, on est gentil. Nous sommes les monstres jumeaux, nés sous le signe des démons. Les zombies. Oh merde! T'es tombé dans la flaque. Les zombies, on est gentils, on vole comme des oiseaux. Chip, chip, chip. Y'a vol, regarde, on détruit rien. En fait, vas-y, ouais, bien. Mais ça y aura pas de fin. On s'en bat les couilles. Regarde, on fait rien, on est des gentils monstres, on fait du cosplay et les mecs ils envoient l'armée, ils envoient tout le monde, quoi. Vas-y, t'es mort sans tuer des gens. Ben moi je mange un hot dog. Il veut pas manger le hot dog. Hein. Voilà. Vas-y, viens, vas-y. On a gagné.
Wow. Regarde, ça pète tout seul quand t'arrives au bout. Bah ouais. Total évacué, on a évacué tout le monde. C'est truffe d'été, le summer truffe de chez Bretz. Tu me diras s'ils ont goût, voilà. Goût de truffe. Et j'ai trouvé en alternance, parce que voilà, je vais faire un petit peu la comparaison, c'est les Snack and Gold Black Truffe Truffa Negra. Negro. Les Black Truffa. Voilà. Et ça vient d'Espagne. Voilà. Petit produit d'Espagne. 3 étoiles de qualité. Gourmet Pototos Crips Black Truffe Flavor. Patatas Fritas Sabor Truffa Negra. Alors honnêtement, on sent un goût de truffe. Mais il faut déjà connaître le goût de la truffe. Et il faut aller le chercher trop loin, quoi. Honnêtement, je... Pour les personnes qui n'ont jamais goûté la truffe, déjà... Ouais, le goût de la truffe est présent, mais très très léger, on le ressent pas, quoi. On va dire trois hommes et un chien sur un bateau. Le chien tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste sur le bateau? C'est quoi, c'est une blague? Et j'entends le retour. C'est une bière du Nord, ça, je pense. Bah non, c'est ouais. C'est la bière des Flandres françaises. Bon, j'espère que les gars, vous avez pas entendu. Les Snack Golden Black Truffa. Ouais, je crois qu'on doit avoir des chips comme elles ça, sont ouais. Beaucoup plus chères. Ça, c'est vraiment pour les pour les gens qui streament tous les jours et qui font plein de pognon. J'avoue. Pour la truffe aussi. C'est pas mon cas. Wow, le paquet est goldé à l'intérieur, les gars. Oh la vache. Ouais, alors, c'est vrai. Ça sent, honnêtement, ça sent moins fort que les Bretz. Alors, la chips en elle-même reste basique. Il n'y a pas de grain dessus. Ouais, on tire une chips normale. Le goût. C'est un petit peu... Pourquoi ils rigolent comme des singes? Ben j'en sais rien. Tu te dis ouais c'est léger etc. Tu manges cela et tu manges directement une Bretz après tu te dis waouh ouais, la Bretz elle tue la truffe quoi. Donc limite ouais. Les Bretz sont meilleurs. Les Bretz sont meilleurs que... Ah j'aurais dit le contraire tu vois. Bah j'ai pensé aussi. Eh, c'est vrai, t'as demandé pour un partenariat. Ils s'en battent les couilles de la communauté. Moi, je vais brûler des paquets de chips comme Guts brûle un Gasbar. Comme Guts brûlerait un Goku. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Sur une chips, il y a un grain de truffe. Ah oui. Eh, c'est vrai. Il y a vraiment un grain. Si mon accent anglais ne passe pas, je suis dans le caca. Gars, tu rigoles. Ça va le faire. Je l'espère, parce que... Je te dirai en privé. Ouais, mais c'est maintenant qu'il m'y fait penser que moi, j'en ai des artisanales dans un paquet depuis 10 ans ici. J'en ai racheté justement un paquet comme ça, je ne les ai pas encore mangés. Mais ça, c'est des vrais artisanales que tu achètes à la pièce, mon ami. Au Paradise Falls. Ah oui, dans les paquets en journal, les paquets... Là, ils sont en vrac, en fait, et c'est autant du kilo. Mais là, c'est des vrais authentiques des familles. Oh, putain, tu les as pris bon. Comme ça, avec la petite pelle en métal, là, que tu remplis. Ouais, voilà, tu remplis ton petit sac et c'est au gramme. Ah oh, putain, c'est trop bonne. Voilà. Elles sont de qualité, les gars. Ah, en plus, c'est vrai. J'allais dire, on est le 7, mais c'est vrai, en plus, on est le 8. Ils ont jamais vu Goku serrer la bite d'un poulpe. Formae, et je te dirai un petit colis surprise super des familles folio. Putain. Moi aussi je vais parler moitié anglais, moitié français, c'est du franglais. Hé, hey, il y a le café, tonton, regarde, il y a le café. Oh, on va pas le casser le café. Bah moi je le pète. Oh.
Je ne sais plus ce qu'on avait bu. Attention, ouais, mais pause, t'as raison, parce que c'est le Deeds Game Match. Attends. Non, mais là, tu me pètes ma gueule et t'es mort. Vas-y, fais la pause et on se shot. Vas-y. 3, 2, 1. Allez. Ah, pourquoi je suis déjà par terre? Fuck. J'ai même pas combattu, c'est quoi le délire? C'est quoi la bière, le roman de la bière? Les trois. Les trois. Vas-y, on va voir si tu suis. Les trois quoi? Oh, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y a Milou dedans. Hein. Milou, il est dedans. Les... Si, même s'il y en a qui se noient après. C'est quoi la blague? Les trois machins, sans oublier le chien. Non, mais c'est que je suis en devenir petit. Tonton et Gats sauve la planète. On détruit toute la planète et ça la sauvera. Wow, le jump que t'as fait, quoi. Et copain Codex, il fera des figurines des familles. Tiens, Guts, bois un coup. Moi, j'ai corps du stock. Hein. Yachalmed. Vas-y, dis-le nous avec le vrai accent des familles. C'est toi qui l'avais dit une fois. Ouais. Yachalmed. Attends, c'est comment déjà tu dis, c'est... C'est toi qui Yerermat. Yerermat. Voilà, ça c'est pour le arcane des familles, peut-être qu'il reviendra un jour sur mes lives. Cathy, vas-y, commente la bataille royale, Cathy. C'est Cathy parti. Va nous vous faire un chant des familles. Tu vas commenter la bataille royale. Pour casser la baraque. Non, il n'est pas pété, le gars. Let's go, Cathy, c'est ton moment, là, 3 minutes. C'est parti pour la petite chanson. Chess is down, heartbreaker call to ten. Feeling is a move for a ten. He might as well again. Forces is the end. I just a small man, so I do a whole ten. Sweet my story, it is sky fall, and it crumble, is a tentacle, I feel it all, together, it is sky fall, and it crumble, is a tentacle, I feel it all. Together I sky for the ways of stars, as none means I pose a point. I went to cry in the dark, it was a number, you take my name, it burn in my heart, and it's sky for. And in combo is a tentacle, I feel it all. Together in sky fall. And in combo is a tentacle, I feel it all. Together in sky fall. We go, I go, you see, I see, I can't ever be me, I just got to be, how you living high, keeping me for high, put your hand on your head, it is there, it is sky fall, and in combo, isn't it all, I feel it all, together in the sky fall, in combo, isn't it all, I feel it all, high sky fall, in the sky fall, isn't it all, high sky fall. C'est bon, tout en revenu. Allez, ah, c'est tu parti. Prends un lock. C'est parti.
L'ours polaire, mais c'est la dernière, les gars, puisque à 30, on stoppe le live. Oh putain, ça arrive. Et voilà. Ah non, ça coule à côté, moi. C'est bon, j'ai le torchon sur moi. Ouais. Allez. De toute façon, c'était pour. Là. Bah ouais, c'est fait pour. C'est étudié pour, comme on dit. Voilà, la petite zouzours polaire pour Copain Codex. C'est la dernière parce que on a 12 minutes pour la finir et finir le live. Voilà. Allez, à Copain Codex, le meilleur de tous les héros. Santé. Regarde s'il boit que du level up. Bah oui. Parce que je sais quand le Barney va débouler samedi. Hein. Chut. Quête maintenant. Donc les gars, ouais, franchement, ce petit rampage des familles sur la 64, il était vraiment excellent, Agathe. Franchement, on a pas joué des masses, mais on a quand même bien avancé dans le jeu. Je le connaissais pas, moi, c'était vraiment le rampage style arcade des années 80, même 70, je dirais. Et là, ben voilà, c'est Dice Game qui avait proposé un rampage. Du coup, on s'est fait le rampage World Tour. Je crois que c'est ça, World Tour ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Pourquoi ça marquait déconnecté là? Parce que t'es déconnecté. Attends, je suis là. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? T'es déconnecté. Ah bon. T'es cerveau qui est déconnecté. Allez, ciao ciao les gars, je vous dis à la prochaine. De toute façon, voilà, je me répète 60 000 fois. Je suis disponible tout le temps. Ciao ciao. Ciao ciao. Le ciao ciao de l'infini. Voilà. Gats, il fantasme à chaque fois qu'il entend ciao ciao. Même quand je l'appelle en privé, comme ça, par rapport au, pour voir, ouais, t'as fait le montage du best-of et tout, il me fait hé, allez tonton. Ouais. Et puis, il parle normalement pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis il fait allez, ciao. Là, il change sa voix, il fait ciao ciao. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Allez, ciao ciao les gars, et à bientôt. Merci à vous. Ciao ciao.